Bonjour à tous, je viens vous faire une vidéo sur le lien entre nos quatre émotions et la temporalité. Donc nos quatre émotions, je vous les redis, je l'ai déjà dit plein de fois, mais bon, toujours bon à réentendre. Elles se disent en une syllabe chacune, peur, joie, peine, rage. Sont liées au temps. À notre perception du temps. Donc le temps c'est quoi? Le seul temps qui existe vraiment pour nous, qui a une réalité pour nous, c'est le temps présent. Le passé n'existe plus, le passé n'existe pas, c'est pas qu'il n'existe plus, c'est qu'il n'a jamais existé. Le passé est une construction mentale, cérébrale, faite de souvenirs dans notre mémoire, mais n'existe nulle part. De même que le futur n'existe nulle part. Ce qui va arriver, on ne sait absolument pas ce qui peut arriver. Donc le futur est également une construction mentale et cérébrale faite de projections, mais n'existe pas. Le seul temps qui existe, c'est le temps présent. Et encore, il existe à partir du moment où on prend conscience de notre présence. Voilà. Donc quel est le rapport avec nos émotions? Eh bien, on peut ranger nos émotions deux par deux, deux dans le futur, deux dans le passé, en fonction de la façon dont elles sont perçues par nous, soit agréables, soit désagréables. Alors, je vais commencer par le passé. Deux émotions qui trouvent leur source dans notre perception du passé, dans notre invention du concept de passé. Une émotion agréable, une émotion désagréable. Enfin, une représentation agréable et une représentation désagréable de ce que fut le passé. Donc, pour la représentation agréable dans le passé, l'émotion que nous actualisons au temps présent, c'est le chagrin. C'est-à-dire que le chagrin, c'est quoi? C'est le regret de quelque chose qui s'est passé et qui était bien agréable. Même si vous faites le deuil de quelqu'un, vous pleurez les souvenirs agréables que vous aviez avec cette personne. Le souvenir désagréable qui s'actualise dans notre temps présent, crée l'émotion colère. La colère, c'est quand on n'accepte pas que quelque chose de désagréable se soit passé. Donc dans le futur maintenant, bah on a les deux autres. Si dans le passé on avait la source du chagrin et de la colère, dans le futur on a la source de la peur et de la joie. Effectivement, une projection dans le futur agréable créer de la joie dans notre temps présent. Parce qu'on anticipe, on a envie, on est excité, on est pressé que quelque chose d'agréable arrive. Et inversement, quand on voit arriver quelque chose de désagréable, cela crée dans notre temps présent de la peur. Donc voilà, comment on se laisse impressionner finalement par des choses qui n'existent pas. Notre représentation du passé, qu'est-ce que c'est, à part la construction mentale, la représentation de ce qui va arriver, comment peut-on savoir ce qui va vraiment arriver, n'existe pas non plus. Donc pour le futur, je voudrais préciser une chose, c'est que c'est même pire que ça, c'est même pas le futur qui s'imprime en nous, c'est le conditionnel. C'est pas je serai AI, mais je serai AIS. C'est-à-dire que c'est ce qu'on imagine qui va arriver. Donc c'est même pas ce qui va arriver, puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc c'est le futur a double raison de ne pas exister. C'est le conditionnel qui peut impacter notre temps présent. Donc un temps deux fois imaginaire. Le passé, ok, bon,
On a les mémoires de ce qui s'est passé. Et encore, quand on voit les difficultés de récolter des témoignages sur un seul et même événement, on se dit que le passé et sa représentation, c'est intimement lié à déjà notre perception du présent. Donc, voilà. Donc, comment on fait pour pas se faire trop impacter par nos émotions? Je fais cette vidéo pour les personnes qui, comme moi, ont des difficultés avec leurs émotions, sont très sensibles à ce qui se passe en elles au présent et qui ont parfois du mal à les vivre. Eh bien, la solution, c'est de faire donc plus de place à l'instant présent, pouvoir repousser notre perception du passé, notre perception du futur, un petit peu plus loin, et faire plus de place en nous pour accueillir ces émotions. C'est comme si vous habitiez un studio plein d'affaires, tellement plein d'affaires que vous avez plus d'espace pour vous sentir à l'aise, et que d'un seul coup, vous alliez déménager dans un 100 mètres carrés. La quantité d'affaires ne change pas. On a exactement la même quantité d'affaires, le même volume. Simplement, dans 100 mètres carrés, eh bien, la perception que l'on a de ces affaires, donc dans notre temps présent, de nos émotions, elles prennent beaucoup moins de place relative. Donc, on les vit mieux. Voilà. Donc, quelques astuces, toujours les mêmes, pour faire plus de place à l'instant présent. Et pousser les murs en fait pour agrandir notre espace intérieur et pouvoir accueillir et recevoir ces émotions sans qu'elles nous envahissent complètement et sans que en fait c'est pas changer les émotions, c'est pas les refouler, c'est pas c'est vraiment faire y faire plus de leur faire plus de place. Donc, comment on fait? Ben la première premier exercice, c'est vraiment prendre conscience de l'instant présent. Donc, je vous invite à faire des exercices de respiration sur 3, 5 ou 10 respirations, prendre conscience de votre souffle. Vous pouvez faire ça même dans le métro, bondé, même avec les yeux ouverts. Ça regarde que vous, hein. Si vous êtes en train de compter vos respirations, personne d'autre que vous le saura. Donc faites ça régulièrement. Je vous invite à méditer un petit peu plus longtemps, si vous pouvez. Aller marcher, aller nager, aller prendre le soleil. Tous ces... Allez vous faire masser également, oui, parce que ça permet de se reconnecter avec son corps et de souffler, de laisser prendre plus de place, donner aussi de la valeur à votre temps présent. Faites des choses qui vous font vraiment plaisir. Et ainsi, votre temps présent prendra plus de valeur, aura plus de valeur à vos yeux. Et du coup, vous gonflerez des petites choses. Vous vous réjouirez de petits moments. Vous vous ferez un plaisir de choses simples. Voilà. Donc, tous ces petits conseils peuvent vous permettre de faire plus de place aux quatre émotions qui peuvent arriver. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.